Une fois que le patient a une douleur qui est compatible avec une crise cardiaque, avant 3 heures de temps passé, dans 3 premières heures, normalement, l'étape plus bon sur le temps arrivé à l'hôpital avec le patient pour le patient bénéficier de ça, nous relayons angioplastie primaire, qui c'est une procédure que vous réalisez dans l'hôpital là, qui pourra le permettre de débloquer l'artère qui bouche pour sauver la vie du patient. L'étape plus bon sur capable d'arriver à l'hôpital là, dans 3 premières heures de l'apparition des symptômes. Mais si pour certaines raisons, ou pas capable d'arriver à l'hôpital là avec le patient dans les 3 premières heures de l'apparition des symptômes, service d'urgence capable de pratiquer ça nous relève une fibrinolyse préhospitalière ou bien une fibrinolyse pharmacologique. Maintenant, question pour nous poser. Si vous connaissez, vous avez posé cette question. Qui est-ce qui est une fibrinolyse pharmacologique ou bien qui est-ce qui est une fibrinolyse préhospitalière?